إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد دوك on fait notre deuxième cours de cette série de cours qui a pour titre voici notre prêche هذه دعوتنا de Cheikh Raslan حفظه الله تعالى. On était arrivé, pour entrer directement dans le vif du sujet, à la parole de l'imam Al-Shatibi rahimahullah qu'on a lu. Et maintenant, on va rapporter la parole de l'imam Al-Asbahani rahimahullah. Wa dhakar Al-Asbahaniyu an Ali ibn Abi Talha, an ibn Abbas radiyallahu anhum, anhuma fi qawli ta'ala, wa la takunu kalladina tafarraqu wa akhtalafu, qala rahimahullah fima yarwihi. عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنهما هلك من قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل. Donc l'imam al-Asbahani رحمه الله il a dit en rapportant de Ali ibn Abi Talha qu'Ibn Abbas, car les agrés tous deux, a dit au sujet de la parole d'Allah dont la traduction du sens est: et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer. Surat Al-Imran, verset 105. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, rapportant d'Ibn Abbas, qu'elle les agrée tous deux. On a dit que Ibn Abbas était tourjoman dans le Coran, hein, l'exégète du Coran, en fonction de la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui, et il fait partie des grands savants des Sahaba, radiallahu anhu jami'an. Il a dit, Allah a commandé aux croyants al-jama'a, c'est-à-dire d'être unis, et il leur a interdit de diverger, et d'être divisés. On a défini c'était quoi la Jama'a tout à l'heure. Et les a informés que ceux qui les ont précédés ont péri en raison des querelles et des disputes au sujet de la religion d'Allah, le Très-Haut. Alors j'avais dit qu'on allait rapporter un point par rapport à un terme ici, par rapport au terme querelle et dispute. En arabe, les ulama, les termes qu'ils utilisent ont un sens. Ils ont un sens. Le terme ici qui est utilisé, c'est mira. Comme dans l'Usul Sunan l'imam Ahmed. Mira. D'accord ? Dispute, on peut traduire ça aussi par khosomat. Hein? Débat, etc. On peut traduire ça par jidal. Hein? C'est quoi le mira? Eh bien, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il a défini le mira comme le fait que quelqu'un débatte afin que son avis à lui soit celui qui soit victorieux. C'est ça le mira. Regardez les mains comme elles sont précises. C'est-à-dire que la personne, elle débat, hein? Mais afin que quoi? C'est pas qu'il cherche le haq, mais qu'il veut que son point de vue soit, elle l'a dit, hein, il veut yansur le ra'ya, yantasir le ra'ya, il veut que ce soit son, voilà, que son ghalib, que son avis le plus fort, que c'est le haq ou pas. Donc je répète cette définition sur l'Uthaymin, al-mira, avec une hamza à la fin, al-mira, il a dit que c'est quelqu'un qui, que quelqu'un débatte afin que son avis soit victorieux. Je vous donne une référence, il a dit ça dans l'Iqa Bab al-Bab al-Maftouh, alayhi rahmatullah. La parole de l'imam al-Asbahani, rahimahullah, elle était rapportée dans le Hujjatu fi Bayan al-Mahajja et al-Laka'i dans l'Etiqad al-Sunnati wal-Jama'a. L'imam, il a un mot un peu difficile à dire, mais essayez de le retenir, al-Laka'i, il a un livre qui s'appelle Sharh Usul al-Etiqad al-Sunnati wal-Jama'a, qui est un des livres de référence aussi des gens de la Sunna, comme Ibn al-Battah, comme Sharia al-Ajuri, comme Usul Sunnah l'imam Ahmed, comme Usul Sunnah al-Humaydi, comme Aqidat al-Salaf, Ashab al-Hadith al-Sabouni. Tous ces livres importants pour les gens de la Sunna, hein, de connaître et d'essayer d'étudier. Il est aussi rapporté, je vais rapporter dans un livre de l'imam Ajuri qui s'appelle quoi? Sharia. Il est aussi rapporté dans Sharia al-Ajuri, page 4, et par d'autres ulama. On continue, et Cheikh il dit,
ومع لزوم هذه الصفة الذميمة والخصلة الأثيمة أهل الأهواء والبدع، فإنهم يرمون أهل السنة بأنهم يفرقون الأمة ويمزقون الصف ويشتتون الشملة. وهذه أيضا خصلة من خصال أهل البدع والأهواء، من علامة أهل الأهواء بغض أهل الأثر. Donc pour replacer les choses un peu dans le contexte, peut-être pour les frères qui n'étaient pas là, ou pour les frères qui étaient là en termes de révision, on parlait de fondement des gens de la sunna, des gens des salafis, des gens de la sunna du consensus. On a dit que le premier fondement c'est quoi? L'union, ça? Et l'interdiction de la division. Et on a vu aussi que l'imam Shatibi rahimahullah, il a rapporté que parmi les signes distinctifs des gens d'innovation, c'est quoi? La division, le furqa. D'accord? Et là, on va voir d'autres signes des gens d'innovation. On va voir d'autres signes. Cheikh dit Bordo Ahl al-Athar. Wa itlaqu al-alqab as-sayyi'ati 'ala ahli as-sunnah. Fala tajidu mubtadi'an qattu yuhibbu ahli as-sunnah. بل ينصب نفسه حربا عليهم، يحاربهم بكل ما أوتي من قوة، ويجند طاقاته لحرب أهل السنة. Puis il va rapporter une parole de qui? De Savouni, que j'ai dit qu'on allait pas citer une parole de lui par rapport au signe des gens d'innovation, inshallah. On traduit déjà cette partie. Et malgré cette caractéristique blâmable et cette nature criminelle qui les incombe, quelle nature criminelle? Quelle caractéristique blâmable? La division. Hein? Il a dit: les gens des passions et des innovations religieuses accusent les gens de la sunna de diviser la communauté, de disperser les rangs et de désunir. C'est-à-dire que eux, c'est leur caractéristique à eux, mais ils attaquent les gens de la sunna en disant quoi? Ah ben c'est vous qui divisez la communauté. Et une des caractéristiques des gens de l'innovation, c'est qu'ils donnent des surnoms, des sobriquets et des mauvais noms aux gens de la sunna. Et on va voir que ceux qu'on entend aujourd'hui qui nous traitent de madakhila, ou de Jabiriya, hein, ou de Jamia, ou de ceci et cela, vous allez voir qu'en fait, eux aussi, ils ont des mauvais salafs, eux. Ils n'ont pas les plus prédécesseurs, mais ils ont des mauvais prédécesseurs. Qui ont fait ça avec les gens de la sunna à l'époque? On va voir tout ça, inshallah. C'est une caractéristique connue des gens d'innovation. Mu'tazila, Qadariya, Jamia, tout ce genre de groupe-là, ils ont donné des noms aux gens de la sunna. Pour se moquer des gens de la sunna, et surtout pourquoi? Pour faire fuir les gens des gens de la sunna. Ouais, mais fais pas attention, ceux-là, là, c'est les rabi'is, là, les madkhalis, là. Hein? Mais c'est qui, cher rabi'a? C'est un imam de la communauté. Hein? Ou bien les wahhabis. Entendez ça, hein? Ah, les wahhabistes, les wahhabites. Hein? C'est à la mode, tous les mots en T-E, I-S-T-E. Hein? D'accord? Hein? Les wahhabites, fondamentalistes, extrémistes, terroristes, tout ce que vous voulez. Hein? Alors que, subhanallah, c'est qui parle contre le terrorisme? Hein? Hein? C'est nous ou c'est pas nous? C'est qui fait des khotab? Hein? C'est qui se fait menacer de mort des fois? Hein? Hein? C'est qui se fait attaquer physiquement des fois? C'est qui fait des doros sur le sujet? C'est nous! Alors qu'on vient pas nous coller cette étiquette-là. Les ulama ils mettent en garde sur Ben Laden avant que l'Occident connaisse Ben Laden dans les médias. Hein? Et il mettait en garde sur son groupe Al-Qaïda, etc., etc. Et il mettait en garde sur le Tekfirun, sur le Khawarij, etc. Hein? Donc, il a dit, ils accusent les gens de la sunna de diviser la communauté, de disperser les rangs et de désunir. Et cela est également l'une des caractéristiques des gens d'innovation religieuse et des passions. Donc, parmi les caractéristiques des gens des passions, on a dit que c'est important de connaître ce qu'on appelle Al-Awsaf, ou Sifat. Que tu connaisses les descriptions, les caractéristiques des gens d'innovation, pourquoi? Pour que tu puisses les reconnaître. Tu puisses déjà toi-même, en termes de sens, de pas tomber dans cette caractéristique-là, mais en termes d'awsaf, comme l'a dit Cheikh Ahmed Soubeiri, hafidhahullah ta'ala, c'est de pouvoir savoir qui est qui. Car les gens de la sunna, les imams de la communauté, ils ont pris tous ces ilms-là, des textes, mais aussi leur expérience, comment eux ont interagi avec les gens d'innovation. Et il dit leur haine des gens du Afar. Tu trouveras pas, le cheikh il dit, et je termine cette phrase d'abord, les haines des gens du Afar. Hein? Comme cela. C'est qui les gens du Afar? C'est les gens de la Sunna. Par rapport au terme Afar, hein? Les narrations, pour manière très succincte et linguistique de traduire ça,
Hein? Et revenez, il a dit sur ce qu'on a athar, ce qu'on a hadith, ce qu'on a khabar. Non, il est mustalah le hadith. Et d'autres. D'accord? Il déteste les gens du hadith. Les gens de la sunna, les gens du athar, al-sunna, al-jama'a, les salafis. Il les déteste. Et tu ne trouveras jamais un moubtadi' sans qu'il ne déteste les gens de la sunna. Et vous le voyez vous-même dans la vie de tous les jours. Hein? Pourquoi? Parce que c'est sa bid'a qui fait détester les gens de la sunna. Mais pourquoi il déteste? C'est pas parce que t'es noir ou t'es blanc, ou peut-être certains, oui, mais hein, t'es blanc ou ceci ou que ça. Non, c'est parce que t'es sur la sunna, c'est tout. C'est pour ça que les paroles sont fortes des imams de la communauté contre ceux qui attaquent les imams de la sunna. Parce que quand ils attaquent les imams de la sunna, qu'est-ce qu'ils font en réalité? Ils attaquent la sunna. Hein? Quelqu'un qui critique par exemple maintenant Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Il a fait autre chose qu'appeler à la sunna? Non. Cheikh Rabia, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie là? Il a appelé à la sunna du prophète alayhi salam, mais il a défendre surtout. Hein? C'est pour ça que l'inimitié, elle se fait plus. Et surtout vers les lions de la sunna. Hein? Les gens qui sont au premier rang en face d'Ahl Bid'a al-Ahwa. Hein? Ceux qui font ce jihad shar'i, de quoi? De défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'ilm. Avec l'ilm, avec la science. Hein? Eh bien, c'est quoi? C'est que vous allez voir que les attaques se concentrent plus sur ces gens-là. Plus sur ces gens-là. Quand vous regardez les livres de Cheikh Rabia, quand vous asseyez dans la maison de Cheikh Rabia, quand vous asseyez dans le cours de Cheikh Rabia, quand vous voyez la position de Cheikh Rabia dans la da'wa, quand vous écoutez ses audios, etc., vous comprenez très bien, il ne faut pas aller chercher loin pour savoir pourquoi il attaque. Cheikh Al-Fawzan, il a défendu Cheikh Rabia récemment. Il a dit Cheikh Rabia, quand il a critiqué cette Qutub, il vous a donné la page et la ligne où est-ce que les paroles de ces trois tomes elles sont. Si hein, vous retournez à la source, vous allez voir si Cheikh Rabia il a raison ou pas. Parce que c'est ça la vérité, c'est une question de dalil. C'est une question de dalil. Les gens de la sunna ils ne vont pas se taire sur quelqu'un qui égare les gens. C'est pas possible ça. Regardez le rahma vers les gens en vérité. Les gens ils prennent ça comme quoi? Comme une. Hein? Qu'une mauvaise caractéristique. Alors que c'est une rahma. Wa ahlu sunnati arhamu an-nas bil khalq wa a'lamuhum bil haqq. C'est les plus miséricordieux parmi les gens, envers les gens. Et c'est les plus connaisseurs parmi les gens de la vérité. Et quand vous vous asseyez dans la maison de Cheikh Rabia, hein? Et je vous recommande, si vous pouvez faire l'umrah, essayez, Cheikh, il a 83 ans, il est fatigué, le Cheikh. Alhamdulillah, il est toujours en train de donner cours, toujours en train d'écrire, il est toujours en train d'Allah Ta'ala. Hein? Le Cheikh, il a un diabète grave, hein? Et malgré, il a beaucoup de responsabilités de la communauté sur ses épaules, etc. Et malgré ça, il enseigne toujours, Alhamdulillah. Hein? Et, allez le voir, vous allez comprendre pour c'est qui cette personne-là. Cheikh Rabi', dès que tu vas t'asseoir avec lui, il va te demander après, comment vous allez, d'où tu es. Comment est votre da'wah chez vous? Quels sont les problèmes que vous avez dans la da'wah? Il va te dire de craindre Allah, subhanahu wa ta'ala. Prends la nasiha que tu aurais fait, fais taqwallah. Alaykoum bi taqwallah. Et il va te motiver à étudier. Et apprendre. S'il dit, ils comprennent l'arabe, les frères? Non. Et ils apprennent la langue arabe. Hein? Étudier le Coran. Respecter les ulama. Etc. Mais c'est un connaisseur. C'est le spécialiste mondial actuel des sectes et des groupes. Et des gens. C'est le porteur de l'étendard de la science du jarh wa ta'dil, la critique et l'éloge. C'est pour ça, hein, quand tu. L'étendard dans une armée, c'est quoi? Hein, c'est la première chose que les gens essaient, ça, oh là là, hein? C'est normal. Donc c'est normal que les gens essaient de faire tomber cet étendard-là. Hein? Tous leurs sabres se sont cassés jusqu'au jour d'aujourd'hui, lillahi l'ham. Hein? Pourquoi? Parce que Cheikh Rabi, il parle avec le haq. Et il faut savoir aussi sa position vis-à-vis des autres ulama, comment ils le respectent. Certains de mes chers avec qui je me suis assis maintenant en février quand j'étais à l'Amra, ils ont dit, Cheikh Rabi, il m'a dit, me taire, je me tais. Hein? Pour les frères qui savent un peu ce qui se passe, ça va les motiver à se taire un petit peu sur certains sujets. Et pas se précipiter à lui. Hein? Parce que Cheikh Rabi, il voit loin. Il voit le mafsada, le maslaha, etc. Il a une grande expérience dans la da'wah, c'est un grand savant. Un spécialiste en la matière. D'accord? Les gens savent quand il faut parler, quand il faut se taire, qui on peut encore conseiller, contre qui on doit mettre en garde, parce que celui-là, on n'espère plus en lui, etc. Ils savent qui est qui et quand.
Nous, on ne sait pas ça. Mais c'est pour ça qu'on rentre avec des pattes d'éléphant dans un magasin de porcelaine. Et on casse tout. Au lieu de, hein, au lieu de réformer, on croit qu'on réforme. Hein, hein, on croit qu'on réforme, on casse tout. C'est important de ne pas se précipiter et de parler que quand les ulama ils parlent. Allez dans la maison de Shirabi à visiter cet homme. Allah, même si on a encore l'occasion de visiter, que soit que nous on meure ou que lui il meure. Hein? Et vous allez voir aussi, hein? Regardez la charge qu'il a. Tous les jours, des groupes entiers, des fois 30, 40, 50, 100 personnes qui le visitent dans sa maison. Moi, les 4 jours que j'ai passé là, j'étais 3 fois, j'ai vu des frères de Suisse, de Libye, du Maroc, d'Algérie, hein? Des gens d'Arabie Saoudite, des mecheurs qui viennent le voir. Tu vas aller là-bas, tu vas revoir Cheikh Wassabi assis. Tu vois, à l'époque, Cheikh Mohamed Ibn Abdul Benna, rahmatullah, qui est le cheikh de Cheikh Rabia, justement. Hein, qui, à l'époque, il avait plus de 90 ans, il était entré avec sa canne et il s'était assis à côté de Cheikh Rabia, hein, etc. Et nous, on avait appelé à l'époque Cheikh Mohamed Ibn Benna, il a dit Cheikh Rabia, c'est lui le Moujaddid al-Jarouh al-Ta'dil au 14e siècle. C'est son cheikh, il dit ça à son élève. Hein? Et Cheikh Rabia, il patiente. Et il fait une kalima 5-10 minutes, un quart d'heure, et puis il s'excuse. Hein? Il dit les frères, restez, Inch'Allah, et il servait l'heure du thé, etc., avec les toulabs qui sont là, etc. Et le cheikh, il s'excuse, il part, il a d'autres choses à faire, etc. Tous les jours, imaginez, imagine-toi, tu as 30, 40, 50, 100 personnes qui te visitent tous les jours, plusieurs fois par jour, tu vas être patient, toi. Hein? Hani, ces ulama, ils sont, c'est agible leur situation, comme Allah Azul leur donne tawfiq. Et comment, subhanallah, Ani, comment ils sont. Et Cheikh Rabia, une des caractéristiques quand tu t'assois avec lui, c'est comment il tient à cœur la situation de la Ummah. Les ulama, les gens disent, ouais, mais vous critiquez les. Et Cheikh Rabia, il a écrit lettre au pape. Hein? Il a écrit. Même lui, il a fait ça. Cheikh Rabia, il a fait nasiha, il a appelé à l'islam. Hein? Même les gens d'innovation dernièrement, il y a quelques années en tout cas, ils ont dit du bien à Cheikh Rabia, ils étaient obligés. Pourquoi? Parce que Cheikh Rabia, il était invité à un colloque. Hein, organisé, il y avait des cercles, il y avait des chiites qui étaient dans la Wafit. Et Cheikh Rabia, il a pris sa voiture, il a été. Et pendant tout le colloque, il les a réfutés devant tout le monde. Devant les, hein, les gens de, qui détient le pouvoir, etc. Et devant les ulama. Et Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Al-Fouzain, ils ont dit, c'était lui l'homme ce jour-là. Il nous a déchargé de la responsabilité. Et c'est Cheikh Jamal Bounou Fourah Al-Harithi, un élève Cheikh Al-Fouzain, qui rapporte ça. Et Cheikh Ahmed Bouzmoul et d'autres machines, etc. Il les a pas laissés. Il les a réfutés. Leurs leaders, ils étaient là. Et certains des grands Hizbin, ils étaient là, ils ont fermé leur bouche. Mais Cheikh Rabia leur donnait un dars sur la sunna, il a réfuté le rawafid, il a parlé de leur manhaj, leur méthodologie, le shia, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent, etc. etc. Cheikh Rabia, c'est un mujahid, il n'était pas sur le haq. Et c'est pour ça que le ulama le considère en tant que tel. Cheikh Al-Albani, il ne disait pas du bien de beaucoup de personnes, hein, et facilement, ça, oh là là. Il sait qui est qui. Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il a dit sur Cheikh Rabia? Hein? C'est lui le porteur de l'étendard de Jarouh al-Ta'dil, Allahu Akbar. Hein? Et il dit, ceux qui critiquent Cheikh Rabia, la vérité est avec lui, et l'ilm est avec lui. Hein? Pourquoi? Parce que l'ilm, il voit, c'est clair. Hein? Certains mes chers, ils ont dit, Wallah, à l'époque de la fitna du Khalij, la guerre du Golfe, etc., on a vu après en fait que Cheikh Rabia, il avait raison. Cheikh Mohamed Al-Aqil dit qu'il y a des docteurs en charia, ils disent, Wallah, je ne connaissais pas cette croûte jusqu'à ce que j'ai lu le livre de Cheikh Rabia. Docteurs en charia, qu'est-ce que nous va dire nous, hein? Il lisait ses livres, subhanallah. Et il éduque les gens. Je vous rapporte une petite histoire qui, quelques jours, un ami à moi qui étudie à Mecca, et ça fait 6 ans qu'il est là-bas, et avant c'est un élève de Cheikh Mokbil. Hein? Et il va très souvent chez Cheikh Rabia, il aime beaucoup Cheikh Rabia. Il va aussi chez d'autres mashayikhs, etc. Et un jour, il est visité Cheikh Rabia. Le Cheikh Rabia, il le connaît évidemment. Hein? Parce que les gens qui sont vraiment proches de Cheikh Rabia, il les connaît. Hein? Et il a dit, pourquoi tu es venu me visiter? Il a dit, Cheikh, c'est l'amour en Allah. Je t'aime en Allah, c'est pour ça que je suis venu te visiter. Il a dit, le hubbu shay wa le ghulu shay akhar. Et il lui a demandé de partir. Il a dit, il a fait comprendre que, regardez le tarbiya. L'amour en Allah c'est une chose, mais le roulou, l'exagération c'est autre chose. Regardez Tarbiya, il ne veut pas que ça tâche trop à lui, qu'il exagère en lui. Ça c'est la Tarbiya des Kibar, ça. Des gens qui sont sur la Sunna. Tandis que les autres, ils te mettent 3 cordes autour du cou pour que tu restes avec lui.
Là, il t'apprend à comment être envers les gens. Ça m'a beaucoup touché quand il a dit ça, parce que on connaît Cheikh Rabi, et ça c'est lui, ça, subhanallah al-Azim. Hein? Le rajul, comment est-ce qu'il est? Wallah nazik ala Allah, Allah hafidahu Allah ta'ala. Et qu'Allah le récompense pour tout le bien qu'il a fait à la communauté, tout son grand travail qu'il a fait pour la communauté. Ala kulli hal. Donc on a dit, une des caractéristiques des gens d'innovation, c'est quoi? C'est qu'ils détestent les gens du Athar, ils détestent les gens de la Sunna. Et cher Elie, tu ne trouveras jamais un innovateur dans la religion qui aime les gens de la Sunna, mais au contraire, il leur déclare la guerre et les combat de toutes ses forces, et mobilise toutes ses forces pour combattre les gens de la Sunna. Abu Uthman al-Sabouni. Maintenant, vous savez c'est qui al-Sabouni, rahimahullah. On en a parlé tout à l'heure. L'imam al-Sabouni, Abu Uthman, quand il fasse miséricorde, il a dit, « Qala Abu Uthman al-Sabouni, rahimahullah ta'ala, fi aqidati salaf, وعلامات أهل البدع على أهلها ظاهرة بادية وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة. الإمام الصابوني رحمه الله il a dit dans la croyance des plus prédécesseurs عقيدة السلف أصحاب الحديث, c'est son fameux livre dans l'Aqida. Il a dit, et les signes des gens des innovations religieuses sont apparents, manifestes sur eux. Et parmi les signes les plus clairs, la féroce haine qu'ils vouent aux porteurs de narration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et leur mépris pour eux. Et le fait qu'ils leur donnent comme nom, hashwiyah, et ignorant, et zahiriyah, et mushabbiha. Hein? Je sais qu'encore une fois que ce genre de cours-là, il est un peu technique. Le cours d'après le Maghrib sera un peu plus facile, Inch'Allah. C'est un sujet important, c'est un livre d'un imam. Hein? Mais c'est important de s'éduquer à écouter ce genre de vocabulaire-là. Et l'aïm, il vient en apprenant. Hein? Donc essayez de vous concentrer, essayez de retenir quelques notions, etc. Hein? Inch'Allah, ça va aller. Donc il donne en fait l'imam Sabouni, rahmatullah alayh, qui est un ancien. Il a dit, une des caractéristiques des gens d'innovation, c'est quoi? Qu'il déteste les gens du Athar. Et puis il explique cela. Et il dit aussi qu'une des caractéristiques, c'est quoi? Il donne des sobriquets, des mauvais noms aux gens de la Sunna. Comme aujourd'hui on le voit, ils le font avec nous aussi, etc. Hein? Et il a cité des exemples. Mais ces termes-là, on a besoin de les définir quand même un minimum. Je vous ai dit hashouya, ça veut dire quoi hashouya? Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Zahiriya, hein? Mushabbiha. Donc ces termes-là, on va les définir. C'est un peu technique, mais comme ça vous retenez, Inch'Allah, et au moins vous savez de quoi on parle. Donc, hashouya, ça c'est un des noms que les gens d'innovation donnent aux gens de la Sunna, hashouya. Le sens de cela, ça veut dire que c'est parmi la masse des gens. Ils nous disent que, hein, on est parmi la masse des gens. Ceux qui sont les pires, les plus bas. Une affiliation à hashwul qawl, en arabe, qui est le verbiage dans la parole. Vous savez, c'est quoi le verbiage en français? Là, on doit faire un cours de français aussi. Hein? C'est quoi le verbiage? Je vous donne la définition du Larousse. C'est un flot de paroles superflues, masquant la pauvreté de la pensée. Regardez comment ils décrivent les gens de la Sunna. Hein? Et ils disent, et regardez, c'est un terme innové, dont le premier à avoir utilisé ce terme-là, c'est qui? Amr ibn Ubayd. Vous connaissez Amr ibn Ubayd? Qui connaît Amr ibn Ubayd? C'est pas un sunni, je vous rassure, hein? C'est une tête d'Ahl Bid'ah al-Ahwa. Amr ibn Ubayd, Mu'tazila, vous connaissez le Mu'tazila? Hein? C'est un Mu'tazilite, un bal, modèle égaré. Qui a dit cela, il a dit ce mot-là au sujet d'un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Qui est Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, le fils d'Omar ibn Khattab. Vous comprenez un peu qu'est-ce qui se passe? Les gens d'aujourd'hui, ils ont leur mauvais salaf, comme nous, on a nos salafs. Nos plus prédécesseurs, eux, ils ont leur mauvais prédécesseur. Eux, ils ont Mu'tazili Amr ibn Ubayd, qui a dit Hashoui ou Hashouiya par rapport à Abdullah ibn Umar. Il parle d'un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Et après, non, cet homme qui les a parlé mal sur nous. Je vois une référence par rapport à ça, c'est Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, qui l'a dit dans Minhaj Sunan Nabawiyya, volume 2, page 520 à 522. Le deuxième terme qu'on a utilisé, quoi? Jahala, ignorant, ça, vous savez c'est quoi un ignorant? Et Zahiriya. Il nous traite, nous, de quoi? Zahiriya. Les gens d'innovation religieuse appellent les gens de la Sunna et du consensus de cette manière, car ces derniers croient, les gens de la Sunna, aux textes coraniques et prophétiques, les textes du Coran et les hadiths, et prennent leur sens apparent et clair.
Hein? Et ne les interprète pas faussement, ils ne font pas de ta'wil. Je vous donne un exemple concret, par exemple, d'accord? Allah en a des mains ou pas? Hein? C'est quoi notre dalil? Bel yadahu mabsoutatan. Alhamdulillah, c'est un verset du Coran ou non? Non. Et ils disent, akhi, tu ne peux pas dire qu'Allah est les mains. C'est qui? Allah est dans le Coran. Non, mais c'est un autre sens, c'est le qudra en fait. C'est la puissance ou la. Hein? Subhanallah. Cheikh Mohamed Jami leur a dit quoi? Allah a deux puissances. Hein? Bel yadahu mabsoutatan. Allah est dans le Coran. Allah est dans le Coran. Huthbitu ma athbata Allah li nafsihi. Subhanahu wa ta'ala. Hein? Al wajh la'iq bihi. Bili li takhif. Ou la tamthil ou la tashbih. Allah est dans deux mains. Nous dit Allah est dans deux mains. Comment? Quoi? Allah alam. Allah a deux mains, il nous a dit qu'il a deux mains, on dit qu'il a deux mains comme lui l'a vu, subhanahu wa ta'ala. Sur lui-même, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et on ne commence pas à donner des faux sens par rapport à cela. Hein? On ne va pas entrer trop dans le détail dans le sujet, retourner au livre d'Aqid dans l'Asma wa Sifat. Donc les gens, la sunna, ils ont une méthodologie dans la compréhension des textes. Le prophète, Allah nous informe sur lui-même. Ou le prophète, sallallahu nous informe sur Allah. Qu'est-ce que nous on va dire? On va dire autre chose. Là, je vous pose la question, on va dire autre chose? Non. Allah, il s'est donné une sifa. Nous, on va dire non, on va commencer à l'interpréter faussement la sifa, ou carrément plus grave, hein, comme ils font certains encore, c'est quoi? C'est la dénier complètement. Ou bien comme font certains aussi, c'est quoi? C'est le teshbih. Ils disent, ah, ben... Allah la demain, ben, nous on peut comprendre que comme les nôtres, donc elles sont comme les nôtres. Non, il ne faut pas dire ça non plus. Vous voyez que toujours les gens de la sunna sont toujours entre deux extrêmes. Toujours dans tous les chapitres de la religion. Dans l'iman, ils sont entre le khawarij et le murji'a. Hein? Et d'autres groupes, etc. Dans l'asma sifat, la même chose. Vous avez les mushabbiha d'un côté qui font ressembler à Allah à ses créatures. Hein? Ta'ala Allahu wa andalika ulwan kabira. Et vous avez un autre côté, ceux qui quoi? Qui a un, ils attribuent pas les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils affirment pas, pardon. Hein? Où ils font quoi? Le ta'wil, hein, etc., etc. Non, nous on dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains, subhanahu wa ta'ala. Hein? Comme il convient à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Sans interpréter quoi? Faussement. Sans non plus nier cela, et sans non plus le faire ressembler à ces créatures. Regardez le maqif d'Al-Sunna al-Jama'a. Hein? Un verset est clair, une règle qui est tirée d'un verset clair. C'est quoi le verset? Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Allah il a attribué le sam' al-basar, et puis d'un autre côté, quoi? Hein? Qu'on ne peut pas le faire ressembler à ses créatures. Et le fait d'attribuer une sifa à Allah subhanahu wa ta'ala, ou de l'affirmer, hein, à Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'implique pas le fait de le faire ressembler à ses créatures. Hein? Parce que c'est ce qu'ils disent. Ils disent, ah non, on l'affirme, donc quoi, on le fait ressembler? Donc soit on l'interprète faussement, soit quoi, hein, soit on la dénie complètement, soit ceci ou cela, etc. Ce n'est pas un cours de Asma Sifat maintenant, mais juste pour que vous compreniez de quoi on parle ici. Donc qu'est-ce qu'on revient, qu'est-ce qu'ils disent les gens d'innovation sur nous? C'est qu'on est quoi? Zahiriya. Parce que, hein, on prend le sens clair et apparent des textes, alhamdoulilah. Donc je répète cette parole ici. Donc les gens de l'innovation religieuse appellent les gens de la sunna du consensus de cette manière. Quelle manière? Zahiriya. Car ces derniers, les gens de la Sunna, croient au texte coranique et prophétique et prennent leur sens apparent et clair. Et ne les interprètent pas faussement, ni ne les falsifient comme les font les gens des passions. C'est qui a dit ça? Cheikh Rabia. Cheikh Rabia, c'est comme ça qu'il est. Il a... Dans quoi? Dans le charh de Aqidat Sabouni. Et Mushabbiha, un autre nom qu'il nous donne. Maintenant, on a parlé un peu de Teshbih. C'est quoi Teshbih? Hein? Hein? C'est-à-dire de quoi de faire, ils disent que de faire ressembler Allah à ses créatures. Hein?
maintenant il y a tishbih, temsil, etc. On va pas rentrer sur le résumé, on a parlé dans le livre d'Aqida, comme wasitiya, etc. Revenez ça, et sur notre site, ça a été traduit en français de toute façon, dans certains de nos cours, etc. Hein? Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire par Mushabbiha? Ils accusent par cela faussement les gens de la Sunna de comparer Allah à ses créatures. Car les gens de la Sunna et du consensus affirment les noms et les attributs d'Allah sans en falsifier le sens ni les dénier. Ni comparer Allah, exalté soit-il, à ses créatures. D'ailleurs, si vous connaissez un livre qui s'appelle Durus al-Muhimma, c'est de qui? Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh. Les leçons importantes pour la communauté. Ça nous traduit en français. Pour les frères et les sœurs qui veulent lire en français sur ce sujet-là, Cheikh Ibn Baz, quand il en a parlé? Il va dire, non, c'est trop compliqué ce que tu nous rapportes. Cheikh Ibn Baz, dans quoi il a parlé? Durus al-Muhimma, li'amat l'umma. Il a parlé de quoi? Tawhid al-Uluhiyya, al-Rububiyya, al-Asma al-Sifat. Les trois catégories du Tawhid. Hein? Et quand il a expliqué Tawhid al-Asma al-Sifat, il a dit la règle que j'ai dite. Qu'on affirme à Allah Azza wa Jal ce qu'il sait, attribue subhanahu wa ta'ala, comme nous attribue, et que son prophète Sallallahu alayhi wa sallam nous a informé comme nous attribue d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans quoi? Voilà, le wajh la'iq bihi subhanahu wa ta'ala, comme il convient à sa majesté, sans tishbih, ni tamthil, ni ta'til. Ni ta'wil, ni tishbih, ni hein, etc. Donc, Mushabbiha, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce terme est utilisé en général pour les extrémistes dans l'affirmation de la prédestination. Pardon. On a dit ce qu'il y a défini, c'était quoi le Mushabbiha? On continue maintenant la parole du Cheikh Raslan. وروى بسنده عن أحمد بن سنان القطان قال ليس في الدنيا مبتدع إلا هو يبغض أهل الحديث فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. Écoutez cette parole que l'imam Sabouni rapporte de Ahmed ibn Sinan al-Qattan, grand savant de la communauté. Ahmed ibn Sinan al-Qattan, il a dit ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. Regardez le danger de l'ibtida fi din. On traduit déjà ça. Et il a rapporté, c'est-à-dire qui? L'imam Sabouni, rahimahullah, il a rapporté avec sa chaîne de transmission qu'Ahmed ibn Sinan al-Qattan a dit: il n'y a pas dans ce monde d'innovateur dans la religion sans qu'il ne déteste les gens du hadith. Car lorsqu'un homme innove dans la religion, la douceur du hadith est ôtée de son cœur. Et il a rapporté une autre parole. Vous m'arrêtez pour... ou vous faites l'adhan et je m'arrête. Ou vous me le dites. Non mais pour après, Inch'Allah, ça va. وروى بسند عن أبي حاتم قال علامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الآثار وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة وعلامة الجهمية تسميت أهل السنة مشبهة وعلامة الرافدة تسميتهم أهل الآثار نابتة وناصبة. أنقصب الله كومنوتي صابوني رابور دو لوي avec sa chaîne de transmission, et c'est Abu Hatim qui l'a dit: le signe des gens des innovations religieuses, c'est de critiquer les gens du Athar. Donc toi maintenant, tu as un signe clair. Si tu vois quelqu'un qui critique Cheikh Rabi par exemple, sache que c'est quelqu'un parmi les gens d'innovation. Comme les ulama, ils ont dit, soit c'est un ignorant, il ne sait pas, on lui apprend, hein, soit c'est quoi, c'est quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui, il sait mais il fait partie des gens d'innovation. Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? On demande ou qu'Allah le guide ou qu'Allah lui brise le dos. Donc les signes des gens des innovations religieuses, c'est de critiquer les gens du Athar, et les signes des Zanadiqa, et qu'ils appellent les gens du Athar Hashwiya. Vous savez c'est quoi maintenant Hashwiya? Ils veulent par cela l'annulation des Athar. Regardez ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils cherchent par cela? Quand quelqu'un fait partie de la légende de la Sunna et qu'il a attaqué, c'est quoi le but de ça? Voilà, c'est ça. Il a dit, ils veulent par cela l'annulation des athar et le signe de qadarit. Regardez comment il décrit. Chaque groupe, il a une manière de décrire les gens de la sunna. Le qadarit, le qadariya qu'on appelle, et qu'ils appellent les gens de la sunna mujbira.
Encore un terme qu'il faut définir qui est le jabr. Hein? C'est quoi le jabr? On va le définir, inshallah. Ce terme, le mujbira, est utilisé en général pour les extrémistes dans l'affirmation de la prédestination qui nie que la personne est une liberté de choix. C'est-à-dire, c'est quoi la croyance des gens de la sunna? Je vous pose la question. Par exemple, est-ce que nous on a une volonté? Je vous pose la question, on a une volonté ou pas? Qui dit non? Ou qui dit oui plutôt? Ça, on va ajouter les. Hein? Qui dit oui? Je crois que tout le monde va lever la main. On a une volonté ou pas? Non. Hein? Hein? On a une volonté, j'ai voulu lever ça, j'ai voulu déposer, j'ai une volonté. Ça, oh là là. Hein? Notre volonté, qu'est-ce qui se passe? Elle est? Ah, elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quoi le verset du Coran qui est la preuve de cela? وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. D'accord? Mais maintenant, il y a des sectes en islam qui quoi? Qui ont des erreurs par rapport à tout ce qui touche le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il y a des gens qui disent que toi, tu n'es pas celui qui fait l'action. C'est Allah qui fait l'action. Même si toi qui le fais, tu ne fais pas l'action. Donc celui qui vole, ma'ali, ce n'est pas sa faute. C'est le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? D'accord? Et il y en a qui disent, d'autres qui disent quoi? Que c'est l'être humain lui-même qui? Hein? Allez, voilà, il crée, c'est lui-même qui crée ses propres actions. Et c'est, hein? C'est pas Allah qui crée les actions, subhanahu wa ta'ala. Et encore une fois, le sunnah où ils sont? Au juste milieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Regardez, on va reprendre ce terme-là ici. Donc, Al-Jabriya, c'est un groupe, un genre de personnes, Al-Jabriya, ils disent quoi? Ils sont des extrémistes dans l'affirmation de la prédestination. Donc il y en a, ils vont à l'extrême de l'affirmation du qadar. À tel point que la personne n'a plus quoi? Plus de volonté pour eux. Il y en a dit que c'est pas correct, ça, oh là là. D'accord? Donc ils sont extrémistes dans l'affirmation de la prédestination qui nie que la personne est une liberté de choix. On les appelle comment, j'ai dit? Al-Jabriya. Tu deviens son Al-Jabriya en arabe, pour les frères qui connaissent un peu l'arabe, c'est qu'il essaie de le mejbour. Il est quoi? Contraint. Il n'a pas de choix. Il est contraint. Subhanallah l'Azim. Hein? Et pourquoi l'Azim va le châtier s'il mérite d'être châtié alors? Vous voyez, mais les implications, c'est grave ou pas? Hein? Donc maintenant, on continue. Les qadarites qui nient la prédestination. Donc on en a parlé de Jabriya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont extrêmes dans l'affirmation du qadar. Et les autres qui? Qui nie le qadar? Hein? Les qadarites qui nient la prédestination donnent aussi ce nom faussement aux gens de la sunna. Hein? Et du consensus, qui disent que toute chose est par la prédestination d'Allah et sa volonté. Sahalallah. Qu'est-ce qu'on dit quand quelque chose arrive? On dit qadar Allah. Pourquoi tu vas dire que c'est pas le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? Les gens de la sunna du consensus sont dans le juste milieu entre ces deux groupes extrêmes en ce qui concerne la prédestination. Essayez de retenir les noms, c'est important, c'est comme ça que le talib ilm se construit. Al-Jabriya al-Ghulah. Al-Ghulah, t'ani. Al-Jabriya al-Ghulah. Ça veut dire quoi? Al-Jabriya, les extrémistes. Et Al-Qadariya al-Nufah. Les Qadarites négationnistes, ceux qui exagèrent dans l'affirmation du qadar, de la prédestination. Et il y a ceux qui, quoi, qui sont carrément des négationnistes. Et nous, on dit quoi, que toute chose est selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu as une volonté. Mais ta volonté, elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Le verset est clair, il est wadih. Les gens de la sunna du consensus croient que les serviteurs ont une capacité de faire leurs actions et un choix et une volonté de ce qui émane d'eux comme obéissance et désobéissance. Comme il y en a un, il avait à l'époque d'Omar ibn Khattab, il avait quoi? Il avait fait quoi? Il avait volé. Il a dit, j'ai volé par le qadr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn Khattab, il a dit, je vais te couper la main par le qadr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Sahaba, tu veux essayer de. Hein? Donc, on a dit que notre croyance des gens de la sunna, c'est de croire que les serviteurs ont une capacité de faire leurs actions, et un choix, et une volonté, d'accord?
D'ailleurs, je pense que je l'avais traduit à l'époque, mais l'Arba'in Nawiyya de Cheikh Al-Masil Abbad l'explique bien ça. Et il parle de ce qui est Moussayyir et Moukhayyir. Il dit l'insan Moussayyir bi'atibar ou Moukhayyir bi'atibar. Regardez les ulama comment ils expliquent les choses. Hein? Donc on a dit quoi ici? Donc il a un choix, une volonté, une capacité de faire les actions de ce qui émane d'eux comme obéissance et désobéissance. Mais cela suit la volonté d'Allah. Contrairement à Al-Jabriya qui disent que le serviteur est forcé de faire ses actions. Hein? Moujbour. Il n'a pas le choix. Et contrairement à Al-Qadariya, qu'est-ce qu'ils disent Al-Qadariya? Que le serviteur a une volonté indépendante. T'es pas sur la volonté d'Allah. Regardez la hadou billam dalal dans l'aqida. Hein? Et qu'il crée ses propres actions. D'accord? Sans la volonté d'Allah. Les gens de la sunna du consensus ont réfuté les deux groupes avec le verset dans la traduction du sens. Hein? Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut. Veut lui, yani, Seigneur de l'univers. C'est surat Takwir que vous connaissez sûrement, hein, verset 29. Vous voyez, des fois on lit le verset du Coran, hein, voyez les implications. Regardez l'aqida que tu peux en tirer, la réfutation d'Ahl Bid'a par rapport à la mauvaise aqida qu'ils ont, etc. Hein? Donc ça, c'est compris ça pour les termes. D'accord? Mujbira. Hein? C'est qui que, donc, maintenant vous êtes en train de comprendre. Qadariya, comment ils appellent les gens la sunna? Hein? Mujbira, pourquoi? Parce que la Qadariya, c'est des négationnistes. Mais nous, on attribue le Qadar comme il convient, de quoi? Que cela soit. Donc, comment ils nous traitent? Ils nous traitent de quoi? D'extrémistes. Vous voyez? Et le signe des Jahmis, hein, les Jahmites, il y a beaucoup de groupes, hein. Je vous assure qu'il y en a beaucoup plus qu'on croit. Hmm? Les ulama, ils ont fait des volumes et des volumes et des volumes sur le firaq. Al-Nihal, al-Milal, al-Firaq, etc. Hein? Il y a des chouyours qui sont spécialisés dans tout ce qui est le firaq ou le madahib. Évidemment, ce n'est pas notre niveau, ça. Mais hein? Alhamdoulilah, au moins, on connaît les principales et leurs erreurs. Ça nous permet de connaître la croyance correcte et de connaître, hein, les gens d'innovation afin de les éloigner de leur égarement et d'eux. Donc, Al-Jahmiya, comment ils appellent les gens de la Sunna? Ils appellent Mushabbiha. On a vu c'est quoi Mushabbiha? C'est qu'ils disent qu'on fait ressembler à Allah à ces créatures. Pourquoi Al-Jahmiya nous appelle comme ça? Mais on va savoir pourquoi. Parce qu'ils sont les suiveurs d'Al-Jahm ibn Safwan, d'où le nom Jahmiya. Il fut exécuté par Salim ibn Ahwaz en 121 de l'Hégire. On est en quoi maintenant? 1434. Yak? Parmi les graves égarements d'Al-Jahm, il a nié les noms d'Allah. Et les attributs d'Allah, il a dit que le Coran est créé. Or, c'est quoi la croyance correcte? Le Coran, c'est Kalamullah ou bien les makhlouq? Kalamullah, et vous vous taisez? Attention, les frères. Il faut terminer la phrase. Kalamullah, ghayru makhlouq. C'est important. Hafidouha wa hafidouha awladakum wa ahlikum. Le Coran, Kalamullah, ghayru makhlouq. Minhu bada'a wa ilayhi ya'oud. Coran, kalamullah, ghayru makhlouq. L'imam Ahmed, rahmatullah, il a été torturé pour cette parole-là. A tel point qu'il a été torturé sous trois califes. A tel point que, longtemps, des années après ses tortures, torturé au point qu'il perdait connaissance, rahmatullah, allez. Hein? Au point que, des années plus tard, en hiver, il avait mal à ses joints, ses articulations, et qu'on devait lui mettre de l'eau chaude en raison des tortures qu'il avait eues à l'époque. Mais il a patienté. Et ça a été l'imam des gens de la sunna ou le jama'a. L'imam al-sunna. Hein? Celui qui a patienté pendant le mihna. C'était une fitna radim à l'époque. Si tu disais à l'époque le Coran c'est la parole d'Allah, on te tuait. Les enfants, on les obligeait d'apprendre ça à l'école. Hein? Les mujahidines qui partaient, ah, des vrais mujahidines, hein? Pas comme certains jours de Khawarij là. Hein? Les mujahidines qui partaient se battre, etc. Hein? Qu'ils étaient capturés par l'ennemi, ils leur demandaient qu'est-ce que dit sur le Coran? S'il disait que le Coran est kalamullah, il ne payait pas la rançon, il les laissait avec les koufars. Hein? Et s'il disait que le Coran est makhlouq, il payait la rançon, il le ramenait chez les musulmans. Regardez le fitna azim. Les gens ont été. Il y a des imams de la communauté qui ont été exécutés. Hein? Et même des imams de la communauté, chaque fois, ils mettaient le sabre sur la tête, sur le cou, on lui disait où tu dis que le Coran. Et chaque fois qu'on lui descendait sa tête et qu'il mettait le sabre, il disait la parole. Qu'il voulait entendre, hein? Parce qu'il était moukra. Et quand il relevait la tête, il disait Coran, kalamullah.
L'imam Ahmed, il n'a pas pris ce genre de rochas, de permission, etc. Pourquoi? Il expliquait, moi, je l'ai expliqué dans un de mes cours, on ne va pas revenir là-dessus, etc. Hein? L'imam Ahmed, il a laissé à quoi? Hein? Un madhab à suivre. Dans cette mihna-là, comment se comporter, etc. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que. Et l'Ha'iyada, qu'on va voir ce soir, inchallah, en partie, en tout cas, le premier vers, il fait 34 vers, si je me souviens bien. Il a dit Wa la taku bil waqfi qa'ila. Il ne dit pas, je ne sais pas où le Coran c'est kalamullah et je me tais. Je ne dis pas s'il est makhlouq ou pas makhlouq. Attention. Tu dis Coran kalamullah, rien au makhlouq. Tu dois le dire, obligatoirement. Hmm? D'accord? Regarde, et ça, ça nous montre que les gens de la sunna, les imams, les ulama, ils ont souffert pour défendre la sunna. C'est pas un juillet, quoi. Des fois, ils disent, mais pourquoi ils parlent toujours comme ça? Regardez que les ulama. Jusqu'où ils ont été pour défendre la religion? C'est une défense, une religion, c'est un dîme, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Incréé, ou pas créé, si tu veux. Hein? Le Coran, kalamullah, c'est vrai que je n'ai pas traduit. Le Coran, kalamullah, le Coran est la parole d'Allah et n'est pas créé. Ou si vous voulez, est incréé. D'accord? Voilà, c'est vraiment ça à mémoriser comme ça. D'accord? On a dit quoi ici? Que les ulama ils ont souffert parce que c'est un dîn, on parle des sifats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla, on affirme Allah azza wa jalla sifat du kalam comme il convient subhanahu wa ta'ala selon les règles qu'on a citées, etc. Hein? Et c'est un kufr de dire que le Coran il est makhlouq. Attention, on parle d'iman et de kufr ici. Donc on revient à ce qu'on disait. Il a dit que le Coran est créé, c'est qui? Jam ibn Safwan. Il a été jugé mécréant par les plus prédécesseurs, comme l'a dit le dit Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali. Les ulama ils ont fait le takfir sur lui. On a dit tout à l'heure quoi que ce genre d'ahkam là, c'est à qui? Est-ce que nous, toi, au moins, on vient dire Foulan kafir, Foulan mubtadi? Là, ça c'est pas à nous ça. C'est dangereux comme ahkam ça. Très dangereux. Et on voit la fitna. Hein? Tout à l'heure, on parlait un peu de l'Algérie, on parlait un peu de ça. Il y a peut-être des frères algériens ici, etc. Hein? Dans d'autres pays, etc. On a vu la fitna que ça a amené le fait de se précipiter dans le takfir. Hein? Et combien de gens sont morts en Algérie? Des musulmans! Ils ont été égorgés au nom de quoi? Au nom du jihad! Quel jihad? Ça c'est le fasad, ça c'est pas le jihad ça. Et c'est qui a calmé l'histoire encore? C'est les ulama! Ils ont fait nasiha à cette doula, à ces égarés-là, ils leur ont dit de revenir vers la vérité, et ils ont fait nasiha d'un autre côté au gouvernement, dont, hein, d'où la loi de réconciliation nationale, etc. Et kada, kada, hein? D'accord? Et regardez le khair d'Ahl Sunnah! Regardez le khirna sunna. Et comment certains jeunes se sont fait avoir à l'époque? Parce que les tekfiriyouns, ils mentaient sur l'ulama. Ils distribuaient des tracts. Hein? Ils disaient, les ulama, ils ont dit jihad, venons dans la montagne. Hein? On va prendre les armes, jihad, et citer les versets du jihad, etc. Jusqu'à ce qu'ils sont en train de retrouver d'assassiner des musulmans, de faire des attentats chez les musulmans, etc. Et alhamdulillah, et certains de hein, nos papas qui sont ici, qui se rappellent de l'époque, etc., des années 90, hein? Hein? Et peut-être que les anciens se rappellent, etc. D'accord? Hein? C'était quelque chose, les petits jeunes, ils savent pas, hein? Alors c'était quelque chose. Il y a certaines régions d'Algérie, tu pouvais voyager comme ça tranquillement, même avec la hiya là-bas, le kamiz, etc. Hein? Tu pouvais. Ou tu risques de te faire égorger à un barrage. Muslim, avec l'apparence de la sunna, etc., on t'égorge. Au nom du jihad. Attention, l'égarement, ça amène à des choses graves. Hein? Et qu'est-ce qu'on entend dans la presse? Les islamistes en Algérie. Ouais, ok, qu'est-ce que l'islam a à voir avec ça? Ça, c'est le khawarij, ça. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné un nom à ces gens-là. Al-Khawarij. Nous on les appelle Khawarij. Ils sont rebellés contre le gouverneur. Ils sont rebellés, ils sont sortis de la communauté des musulmans. Et ils ont combattu la jama'a des musulmans. Cheikh Rabi, il a eu un débat avec eux, vous savez ça ou pas? Hein? Via les systèmes de radio et télécommunications de, hein, de l'armée algérienne, etc. Cheikh Rabi, il a fait un débat avec eux, il leur a fait un nasiha. Et Cheikh Rabi encore. Hein? Sur le Thémin, rahmatullah alayh. Hein? Wallah, ya ikhwa, si vous savez ce qu'ils ont fait le Khawarij en Algérie, wallah, vous allez pleurer. Ce qu'ils ont fait à nos sœurs, ce qu'ils ont fait à des enfants, ce qu'ils ont fait à des adultes, des hommes, femmes, etc. Wallah, vous pleurez, ya ikhwa. Avec des larmes, hein? C'est grave ce qu'ils ont fait. C'est très grave. Et n'oubliez pas, hein, faites attention que vous ne mouriez pas avec le sang d'un musulman sur vos mains. Ou du sang qui n'a pas été versé de manière licite, de toute façon, de manière générale. Yak? De toute façon, le
يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. Attention, c'est pour ça que les gens, vous voyez qu'ils parlent avec. Hein, et je parle un peu aux jeunes, même aux moins jeunes, mais les gens peut-être qui ne savent pas, qui sont un peu naïfs, etc. C'est pas toute personne qui se revendique de la sunna qui est sur la sunna. Il ne faut pas suivre le premier qui vient au coin et qui vous appelle à quelque chose, etc. Non. Il faut savoir de qui tu prends ta religion. Ibn Sirin, rahimahullah, parmi les grands imams de la communauté, il a dit quoi? Il a dit Inna hadha al-ilma dinun, fandura an man ta'khuduna dinakum. Certes, cette science est une religion. Faites attention de qui vous prenez votre religion. C'est pas le premier, hein, même s'il a la barbe, le qamis, il a bien en blanc, mashallah, etc. Hein, il parle, il dit Alhamdulillah, Bukhari l'a dit, Muslim l'a dit, ceci, cela, que tu l'écoutes. Là, attention, il y a des groupes innovants en islam et sont très actifs, surtout avec les jeunes et surtout les débutants. Pourquoi? Moi je vous pose la question, jamais à te tablir, ils sont venus chez vous? Moi jamais ils sont venus chez moi faire da'wa, moi j'ai envie de comme fasse da'wa. Jamais quelqu'un jamais à te tablir, il est venu chez moi, il m'a dit, ah, tu viens, tu fais le khourouj, viens, on va faire da'wa. Jamais! Ils passent à côté de moi et ils vont chez le jeune qui est derrière moi. Pourquoi? Et moi je veux le khair aussi. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils sont pas sur le khair, ils savent très bien. Hein? Donc ils vont chez les jeunes. Ils vont chez les jeunes qui sont au coin de la rue, qui sont gentils, ils aiment le din. Hein, c'est vrai ou pas? Les jeunes, ils aiment bien le din. Les jeunes musulmans, ils n'aiment pas le din, ils aiment bien le din. Même s'ils ont des péchés des fois, etc. Mais ils disent, ouais, nous, on veut faire tawba, on veut apprendre. On demande pas mieux d'apprendre notre religion, etc. Hein? Donc c'est quoi? C'est des proies faciles pour ces gens-là. Hein? Et puis on va aller parler au coin. Absolument, j'ai pas dit que c'est un frère de la sonnette, il vient parler au coin, il faut l'éviter. Hein? Mais, hein? Ne vous inquiétez pas, vous ferez facilement la différence. Hein? Ce que je veux dire, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas suivre n'importe qui. Hein? Si par exemple vous connaissez Alhamdoulilah ce Mejid ici, moi je ne serais pas venu ici si je ne sais pas que les gens de la sunna ils sont pas. Chaque fois que je me viens dans un endroit, je me renseigne sur cet endroit là. Hein? Ça fait deux fois que je viens ici, et les frères responsables, etc., je les connais comme des gens de la sunna, qu'Allah les préserve et qu'Allah mette le baraka dans ce Mejid. Hein? Et sinon on ne mettrait même pas les pieds ici. Hassan il est comme moi, Hassan Abou Asma. Il est venu il n'y a pas longtemps chez vous, ça? Hein? Hassan il est comme moi. Ou c'est moi, je suis comme lui. Hein? Hein? C'est quoi? C'est que on renseigne sur les gens. On ne va pas chez n'importe qui. Hein? Comme on ne va pas chez n'importe qui pour donner, on ne va pas chez n'importe qui pour prendre non plus. Hein? Donc si vous connaissez les gens sur la sunna ici, demandez-leur sur les gens avant de prendre de qui que ce soit. Et c'est comme ça que les gens font. Hein? Tu téléphones à Cheikh Rabia, tu dis, Cheikh, voilà, il y a quelqu'un qui va venir en Europe, on ne le connaît pas, est-ce qu'on prend de lui ou pas? Cheikh dit, non, mais c'est un sunni, prends Zaklar Khair, Alhamdulillah, il est bien, on le connaît, Alhamdulillah, Stafido, apprenez, Jazakum Allah Khair, Nakala le récompense, c'est très bien, tout ça, etc. Il veut dire là, non, Foulan, on le connaît, attention, c'est un sectaire, c'est un hizbi. C'est quelqu'un des gens de l'innovation, il est dangereux. Il a la croyance de Tekfiri, la croyance de ceci, la croyance de cela, etc. Tu l'évites, il est de côté, tu continues ta route. Hein? On va voir ça, Inch'Allah, plus tard dans le cours. Hein? Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé un trait au sol. Un long trait, il a dit, et puis il a cité le verset, et des petits traits à droite et à gauche. Il a dit, وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, toute la guidance est dans la sunna. Il y a un sirat mustaqim, une voie droite. Pas 10, pas 2, وَلَا عَشَرَاتِ, comme il dit Cheikh Rabia, il a un fameux livre comme ça. Hein? جماعه واحد لا جماعات وصراط واحد لا حشرات et pas une dizaine de, il n'y a qu'une voix qui est correcte, mais de la voix par des petites voix droite à gauche pour t'écarter de la voix. Et à la tête de chaque voix il y a quoi? Un shaitan qui t'y appelle. Shaitan, ça peut être un quelqu'un qui a l'apparence de la sunna, attention, et il te dit viens. Hein? فمن أجابهم قدفوا فيها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas moi, parle à moi. Celui qui leur répond, il le jette en enfer, il le pousse en enfer. Donc c'est pas un jeu, on parle de din ici. Hein? Et c'est important, le musulman, salafi, sunni, il sait de qui il prend et de qui il prend pas. Maintenant, on a utilisé un deuxième mot, le mot rawafid. Vous avez entendu ce mot-là, rawafid? Rafidit, rafidit? Hein? Oui.
Cheikh l'Islam, je vais apporter une parole, puis il va faire la distinction entre les deux, etc. Kada. Rawafid, il y en a dans beaucoup de pays. Leur pays, en termes de nation, c'est quoi? L'Iran. Hein? D'accord? Et tristement, ils commencent à s'installer dans beaucoup de pays. Hein? Ils sont très actifs. Très, très actifs. Et ils jouent sur l'ignorance des gens. Et sur les shahawats des gens. Parce que notamment, ils autorisent le mariage temporaire. Ils autorisent le crédit. Ils autorisent des choses que... Hein, la shahawa des femmes, la shahawa de l'argent. Et des gens sont faibles. Leur cœur est va vers ça. Quand tu viens chez toi, tu dis non, tu peux pas te marier avec une femme pour quelques heures. C'est quoi ces histoires? Tu veux qu'on fasse à ta fille, ou à ta soeur, ou à ta mère. C'est haram ça de faire ça. Hein? Et tu veux dire le crédit? Non, c'est haram, le riba. Tu peux pas faire le riba. Tu veux dire, ah, la chouïa. Hein? Donc les rawafid, c'est qui rawafid? Cheikh l'Islam Utaymiyyah a appelé les chiites de cette manière, faisant prévaloir ce terme sur l'autre. Rawafid sur Shia. Sinon, les rawafid, comme l'a dit le frère justement, sont un groupe de chiites. Et il est dit que leur nom vient du fait qu'ils ont rejeté Rafadou, imamat Abi Bakr et Omar. Ils ont rejeté l'imamat d'Abu Bakr et de Omar. Car ils agréent tous deux, n'en déplaisent et n'en déplaisent aux rawafid. Et puis les gens de la Bid'a, ils appellent les gens de la Sunna comment? Nansiba. Ce mot-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Nansiba. Hein? Nansiba, je vais vous le définir, Inch'Allah. Et avant Nansiba, on a cité un autre mot qui s'appelle Nabita. Nabita, c'est-à-dire les petits. Allez, les petits. Hein? Nansiba, c'est quoi? Les rawafid accusent faussement les gens de, par ce terme, les gens de la Sunna du consensus, de détester Ali. Parce que Nawasib, il y a Rawafid, ils ont exagéré au Ali, parce que certains ils l'ont mis au degré de quoi? De ilah, de divinité, ils l'ont adoré. Et Ali, radiallahu anhu, il n'a pas accepté cela. Non, il s'est occupé d'eux, on va le dire comme ça. Hein? Et d'un autre extrême, vous avez qui? Nawasib, ceux qui détestent Ali, radiallahu anhu, arda. Encore une fois, les gens ils sont où? Au milieu. Ils aiment Ali, radiallahu anhu, c'est un compagnon, un des quatre califes bien guidés. Voilà qui ne va pas exagérer en Ali, radiallahu anhu, arda. Et l'aqida correcte, c'est de dire qu'Abu Bakr et Omar sont mieux qu'Ali, radiallahu anhu. Est-ce que c'est une diminution d'Ali? Là. C'est quoi l'ordre? Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Et puis le reste des sahaba, etc. D'accord? Ça s'est compilé dans les livres Aqida. Et notre Aqida, c'est que tous les Sahaba sont udoul. Tous sont d'une équité. Et quiconque critique un Sahabi, c'est un Mubtadi'. On ne peut pas critiquer le Sahaba, Yahya. Qu'est-ce que tu veux critiquer hein, quelqu'un qu'Allah il a dit, radiallahu, anhum, wa radu, an. Subhanallah al-Azim. Allah les a acceptés, les a agréés, toi tu les agrées pas? Hein? Donc, Al-Nasiba, ils disent ça de nous qu'on est de Nawasib. Pourquoi? Ils nous accusent de détester Ali car les gens de la Sunna du consensus aiment Abu Bakr et Omar. Les Rawafid prétendent que celui qui aime Abu Bakr et Omar, il déteste Ali. Regardez l'aql qu'on est de travers. Hein? Ça veut dire que si tu aimes Abu Bakr et Omar, ça veut dire que quoi? Subhanallah, tu détestes Ali. Et c'est qui Abu Bakr et Omar? C'est pas les frères d'Ali? Hein, c'était pas les compagnons, ils étaient pas ensemble. Et nous on dit qu'Allah les agrée tous les trois. Non, des plaisirs à Rawafid. Et on avance. On continue avec une parole de toujours de Saboni. Et regardez comment il va résumer ce point-là. Il dit. وقال الصابوني رحمه الله تعالى وكل ذلك عصبية ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث قال وأنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا قال رأيت أهل البدع قد سلكوا بإطلاق تلك الألقاب على أهل السنة مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف voir ça que comme les gens d'innovation ils donnent de mauvais noms aux gens de la Sunna. Qui a fait ça avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les mouchrikoun.
Ils n'ont pas critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas donné des noms, par exemple, quoi? Ils ont dit que c'était un poète, sha'ir. Hein? Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi aussi, le majnoun? Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, qu'est-ce qu'il va dire ici? Il va vous dire qu'en fait, ils suivent la voie des mouchriquins dans cela. فإنهم اقتسموا القول فيه فسموه بعضهم ساحرا كما في الذي justement وبعضهم كاهنا ils l'ont appelé كاهن ils l'ont appelé ساحر عليه الصلاة والسلام مجنون هه ساحر مجنون بعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا والعياذ بالله regardez qu'ils sont dit sur le message d'Allah صلى الله عليه وسلم وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. Tout c'est Al-Qad. Et aujourd'hui encore on entend des insultes du prophète sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Et écoutez ce qu'il va dire cette belle parole. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ تِلْكَ الْمَعَائِبِ بَعِيدًا بَرِيئًا وَلَمْ يَكُنْ إِلَّا رَسُولًا مُصْطَفَى النَّبِيَّ قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدع خذهم الله خذلهم الله اقتسم القول في حملة أخباره ونقلة آثاره وروة أحاديثه المقتدين بسنته فسمهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية وأصحاب الحديث عصامة من أهل المعائب برية نقية زكية تقية وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية قد وفقهم الله. Regardez le kalam du salaf, les anciens comme les matines, en peu de mots comme ils disent bien les choses. Et nous on parle beaucoup, Allah al-musta'an. وقد وفقهم الله عز وجل لاتباع كتابه. Donc Cheikh Ahmed Soubiri, il a dit une belle parole. Vous connaissez Twitter sur internet? Qui connaît Twitter? Les jeunes, vous devez connaître Twitter, non? C'est un réseau social. Tu peux écrire des messages en 140 lettres. Cheikh Ahmed Soubiri a dit, Twitter nous a obligés à suivre l'exemple des salafs. À parler peu et comme il faut. وقد وفقهم الله عز وجل لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل وزجرهم فيها عن المنكر منهما وعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. Toujours la parole de qui tout ça? Sabouni رحمه الله. وذكر الحاكم في المعرفة بعض الآثار السابقة ثم قال وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب لنوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها حشوية. الصابوني كان الفاس ميزيريكورد الذي اتصل إلى السكتاريزم. Il n'incombe aux gens de la sunna qu'un nom, c'est les gens du hadith. Et il dit, j'ai observé les gens des innovations religieuses dans ces noms qu'ils ont donnés aux gens de la sunna et au sujet desquels n'incombe aucun de ces noms par la grâce d'Allah et son bienfait. Et il dit, j'ai observé que les gens des innovations religieuses ont suivi l'exemple des associateurs qu'Allah les maudisse à l'encontre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On apprend les gens de la sunna de ces noms car ils, c'est-à-dire les associateurs, se sont partagés les paroles à son sujet sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, certains ont dit magicien. D'autres ont dit devin, d'autres ont dit poète, d'autres ont dit c'est un fou, d'autres ont dit c'est un aliéné, et d'autres encore ont dit forgeur de mensonges, inventeur, menteur. Donc toi si les gens t'accusent de mauvaises choses, pense au prophète alayhi salatu wassalam. Et tu dois avoir ta part de l'héritage dans l'Ada. Tu veux suivre l'héritage, tu veux suivre la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, tu dois avoir ta petite part de l'Ada aussi. C'est normal. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était innocent et loin de tous ses défauts, et il n'était qu'un messager élu et prophète. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, vois à ce quoi il te compare, il t'égare donc et sont incapables de trouver un chemin vers la vérité. Sourate al-Isra, verset 48. De même, les innovateurs dans la religion, qu'Allah les délaisse, se sont partagés les paroles sur ceux qui portent les akhbar du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui rapportent ses athar, et rapportent ses hadith, et qui comprennent pour modèle la sunna, sa sunna. Certains parmi les innovateurs dans la religion les ont appelés Hashwiya, d'autres Nabita, d'autres Nasiba, d'autres Jabriya. Et les gens du Hadith sont irréprochables quant à ces défauts.
T'arrêter ? Non, tu peux rester là-bas. Quant à ses défauts, ils sont innocents et propres, purs et pieux, et ne sont que les gens de la sunna lumineuse, et de la voie agréée, et des chemins droits, et des preuves majeures et fortes. Allah leur a permis de suivre son livre et sa révélation et sa parole, et de prendre pour modèle son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Si tu es sur la sunna, c'est un tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Et de prendre pour modèle son messager sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, où il ordonne à sa communauté ce qui est bon comme action, comme parole, et où il leur a interdit ce qui est réprouvable comme action et comme parole, et il les a aidés à s'accrocher à sa voix et à chercher la guidance en s'attachant à sa sunna, et il les a fait l'aimer alayhi salatu wa salam, et aimer les imams de la législation ainsi que les savants de sa communauté. D'ailleurs, parmi, comme on a dit, les signes des gens de l'innovation, parmi les signes des gens de la sunna, c'est qu'ils aiment les gens de la sunna et ils aiment les imams de la sunna. D'ailleurs, certains salafs à l'époque, ils disaient, si tu vois qu'un homme aime Soufiane al-Thawri, Ahmed ibn Salama, et d'autres noms qu'ils ont cités, fa'alam annahum sahib sunnah. Sache que c'est quelqu'un parmi les gens de la sunnah. Et on termine cette parole d'Al-Hakim que Sabouni l'a cité. Al-Hakim a cité dans le Ma'rifa, Ma'rifa ta'ulum al-Hadith, certaines des paroles précédentes, puis il a dit, et c'est ce que nous savons dans nos voyages et dans nos contrées de toute personne qui est affiliée à un genre d'ilhad. Ilhad, c'est une déviance. Et d'innovation religieuse, bid'a. Elle ne voit le groupe victorieux que d'un œil méprisant et les appelle hachouïa. Groupe victorieux par rapport à quel hadith? Le prophète Assassin l'a dit, cette aftariq ummati ala thalatin wa sib'ina firqa, kulla fin nar illa wahida, c'est-à-dire firqa najiya min anna. Et d'autres sont mutawa'ida min nar, sont menacés de l'enfer. Hein? Il dit, et les appelle hachouïa. Et on va s'arrêter là-dessus pour maintenant, inshallah. Et on reprend après l'Asr, inshallah. On a encore beaucoup à faire, donc peut-être que le dars après l'Asr sera un peu plus long. Je ne sais pas si vous avez besoin d'une petite pause juste après l'Asr, ne fût-ce que 5-10 minutes. Non, c'est bon, inshallah. Donc on va s'arrêter ici. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.